Mochaccino, espresso, café lungo, café freddo, macchiato, cappuccino chiaro, mais un café tout simple, enfin c'est possible? Le café, c'est un des fondamentaux de la culture italienne. C'est quelque chose qu'il faut comprendre pour comprendre les Italiens. Ça fait 7 ans que je suis à Florence, ma commande elle a énormément évolué entre mon arrivée et maintenant. Bonjour, bonjour, ciao. Posso avere un café, per favore? Merci, grazie. Francesco, ciao! Mi puoi fare un cappuccino chiaro decaffeinato con il latte di soia ma molto caldo, il tutto in una tazza di vetro? Grazie! L'italien, il a reçu une véritable éducation par rapport au café. Grazie! Il va juger la couleur, il va sentir l'arôme, mais plus que tout, il va juger la texture du café. Fondamental. Buono. Le lieu le plus important pour le café, c'est évidemment le bar dans lequel tu vas le prendre. Choisir son bar, c'est la vie. Une figure qui est incontournable dans cette histoire de café, c'est le barista. C'est le mec qui est derrière le comptoir. Buongiorno, cara. Il connaît tout sur le café, il est incollable. Parfois, il a un peu envie d'étaler sa science. Ciao Francesco, mi fai un café, per favore? Hai assaggiato il café del Perù? Non. La torrefazione è fatta a Modena, è un posto segreto. È molto più forte. Dal Brasile è totalmente diverso. Più lento in bocca. Secondo me vale la pena. Notre barista, il fait ce truc absolument magique qui se souvient de toutes les commandes de ses clients préférés, des fidèles du matin. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Ton barista, il va te regarder, il va te dire « Il solito, Michela ?» Il solito ? Martina, il solito ? Alice, il solito ? Ici en Italie, il y a une attention envers le café absolument incroyable. Que tu peux faire la commande la plus compliquée du monde, le barman ici, en fait, c'est son boulot. Donc il a envie de te faire plaisir. En France, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que je peux avoir un sucre roux, s'il vous plaît? Merci. Il y a des règles précises. Tu ne commandes pas de cappuccino après 11h30, c'est interdit. Et en plus, tu énerves le barista derrière le bar. Et puis moi aussi. Deuxième interdiction, ne demande pas à un Italien où est le Starbucks le plus proche. Sorry to disturb you. Do you know if there is a Starbucks around? Ma che cazzo vuoi? J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous embrasse. À très bientôt. Abonne-toi à mes vidéos.